Ok. Ouais, salut mes pirates, c'est Parano, on se retrouve pour ce 8ème épisode sur Wolfenstein, ce New Order. Combien de con, je viens d'enfiler au moins 10 chic-tacs dans la bouche. Du coup, je suis en train de m'arracher la gueule et en plus, j'ai du mal à parler. Donc, on s'était introduit dans ce tube de missile là, je sais plus ce que c'est. Dans cette torpille, pardon. Ah, j'ai baissé le son du casque. Pour s'infiltrer dans un sous-marin. Donc, je vais pas vous mentir. J'ai eu quelques petits soucis de record. J'ai dû recommencer cette partie. Pour la simple et bonne raison que Fraps fait des siennes. Donc que serait un let's play de Parano sans des soucis de... Sans des bugs. Vous pouvez vous apercevoir que le shotgun il fait très 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 mal. Surtout qu'il a des balles qui rebondissent. Il est où lui? Oh là là, du calme, ouais. Du coup, j'ai eu pas mal de soucis. Vous avez vu, regardez les chevrotines, ils rebondissent et tout, c'est un truc de malade, c'est trop bien fait. Du coup, j'ai dû recommencer. J'espère que ça va pas le faire. Ou sinon, je sais pas comment je vais faire pour continuer la série. Vu que Mirilis ne fonctionne pas. Avec Wolfenstein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mirilis et Fraps sont deux logiciels pour record sur PC. Sachant que j'utilise le trois quarts du temps Mirilis, parce que Fraps utilise quand même beaucoup de ressources comparé à Mirilis. Du coup je peux enregistrer en plus haute qualité entre guillemets. Pour l'instant ça a l'air d'être pas mal du tout. Je ne comprends pas hier pourquoi j'ai eu pas mal de baisse de framerate. Ma foi, donc c'était peut-être le jour où il fallait pas que je recorde. Il y avait plein de secrets à droite à gauche. Je les ai récupérés, vous inquiétez pas, j'ai pas avancé beaucoup. J'ai dû faire même pas 10 minutes. Mais c'était bien chiant, j'ai recommencé 5-6 fois. J'ai vu que ça fonctionnait pas. Du coup bah, j'ai laissé tomber, j'ai dit bon je réessayerai demain. Vous voyez que là j'ai quand même des mini freezes. Bon c'est pas comme hier, hein. Hier je tournais à 10 FPS. Là ça va, je descends, je suis à peu près entre au minimum à 30. Ouais d'accord, ok. Il voit maritime, il a dit lui. Donc un petit peu avancé. Ok. C'est normal que je vis sur aucun des deux depuis tout à l'heure comme une... Comme une merde là. Alors eux aussi ils ont les deux fusils à pompe. On va essayer de leur faire... Donc ne vous inquiétez pas, depuis le début je sais qu'il faut tirer dans leur petit truc qu'ils ont dans la nuque là. C'est leur point faible, mais c'est pas si facile que ça en a l'air. Ok. Sors ta tête. C'est normal que tu meurs pas toi. Oh putain Shenan. Voilà, ça c'est vous, j'ai voulu faire le mec. Je me suis fait dessouder. Donc excusez-moi si vous entendez des bruits bizarres. Je suis en train de faire fondre le tic-tac là. En train de me niquer la bouche. Oh putain, en plus ils sont pas encore. Oh là 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 là. On va se mettre là. C'est bon, je passe en mode mitraillette. Là il m'a saoulé lui. J'espère que vous allez bien. En tout cas ça fait plaisir. Je vois que vous êtes chaud pour le let's play. Oh non putain, je suis vraiment une... Un sgeg quoi, c'est un truc de malade. Donc comme d'habitude je sors... Excusez-moi. Je sors du taf, mais qu'est-ce qu'ils font eux? On n'est pas sur Borderlands là, c'est quoi le délire là? Il est où lui? Ce fusil à pompe il me faisait penser vraiment au fusil à pompe de Borderlands pour ceux qui connaissent. Oh lol, depuis le temps que je voulais le faire.
Et ben voilà. Un petit succès. Sachant que j'en ai vidéo. Oui, et lui, il a voulu parler. Sachant que j'ai voulu en faire deux autres. Ça, j'en ai fait deux autres, pardon. Quand j'ai joué. Ah, tu es pas mort, excuse-moi, gros. Et on arrête un petit peu l'infiltration. Là, je suis chaud pour tout défoncer. Sachant que je rentre du travail, j'ai. Donc, je suis bien chaud là. Je pense que ce soir, je vais essayer de tourner 2-3 épisodes. Pour toutes les personnes qui se poseraient la question si j'ai reçu Watch Dog ou pas, je l'ai marqué en commentaire. Je devais recevoir Watch Dog hier ou avant-hier, mais vu qu'on est samedi, je pense pas que. Je pense que je recevrai plutôt lundi. Donc, vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit. Merde. Je ferai le let's play de Watch Dog vu qu'il y a pas mal de gens qui me le demandent. Merde. D'accord, le petit bug. Pas mal de gens me demandent, est-ce que tu vas faire le let's play de ci, est-ce que tu vas faire le let's play de ça, est-ce que... Oui, oui, vous inquiétez pas les gars, je vais faire le let's play de Watch Dog. Outlast aussi, le DLC d'Outlast va arriver très prochainement. Pas encore, mais il va arriver, vous inquiétez pas. Ok, là ça va être... Donc il va arriver aussi, vous inquiétez pas, vous allez voir ma gueule en mode je me cague dessus vu que vous savez que j'ai horreur des jeux d'horreur pour le coup. Ça me fait vraiment flipper ces jeux de merde là. Ce fusil à pompe il est ignoble quoi. Vu que j'ai vraiment horreur des jeux d'horreur, ça fait deux fois que je dis la même merde. Je pense que ça risque d'être épique. Si vous avez pas vu la première partie quoi, du moins le jeu Outlast, je vous conseille d'aller le voir, surtout qu'il en fait ce commentary. Donc c'est vraiment rigolo. Mais moi des fois je le regarde, je vois ma tête quoi, c'est un truc c'est ignoble. De se revoir en train de jouer à un jeu comme Outlast en fait ce commentary, c'est vraiment un truc de fou. Et là je suis en train de raconter ma life tout en trucidant des nazis, c'est cool. Il est pas mal ce jeu. Chamber. Ok, j'ai l'air d'avoir plus dégueu. C'est une blague. Wow. C'est quoi ce délire? Oh les gars, je me suis enfermé dans un truc, je crois que le jeu était... C'était pas un truc que je m'enferme là-dedans en fait. Oui, le shotgun défonce à 20 mètres. Ben, c'est un shotgun donc c'est normal. Dites pas que ce jeu est abusé, c'est pas vrai. Lui on va encore me défoncer, oh là 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 là, je dois recommencer. Je suis vraiment désolé, franchement c'est un début de record catastrophique. Je couperai au montage, je m'en bats la race franchement. Il fallait que ça se fasse, ça se fasse. Je suis pas mort une seule fois depuis le début du jeu quoi, pas une seule fois, je suis mort deux fois. Ou trois. Là je fais un petit peu la merde. Écoutez, c'est pas grave. Hein, ça arrive, dans un jeu on peut pas être parfait. Là je suis chaud. Ça recommence, c'est pas grave, cette fois-ci je sors l'artillerie lourde. Espérant ne pas me faire défoncer comme tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des bombes là par là. Et en fait, un jour tu peux mourir ou ça se passe comment en gros? Parce que j'aimerais bien que je meure en fait, tu vois. Artoon. On va se baisser un peu, hein. On va, vu qu'il aime pas trop quand on fonce comme ça, surtout quand on joue mal comme moi. Il est où? Donc là, il y avait rien tout à l'heure. Donc je tiens à faire une grosse dédicace. Je sais pas si tu regardes mes vidéos mec, à la personne qui m'a reconnu au travail. Donc une personne qui est venue à mon taf comme ça d'un coup et qui savait qui j'étais et tout, c'est un truc de fou. Donc il m'a dit c'est toi paranoïaque, dédicace représente la gueule ou je sais plus quoi frère, il m'a fait bien délirer.
Donc dédicace à toi gros. Tu m'as bien fait rire en tout cas. Oh putain. C'est bon? Il a pas apprécié, je crois qu'il a pas apprécié. C'est bon, on a terminé. C'est fini le bordel. Il n'y en a pas marre que je vous fasse saucissonner. Tu es nulle part où te cacher, ok? Donc voilà où je m'étais arrêté, donc vous voyez que c'était pas non plus voilà 10 minutes comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas mytho, excusez-moi. J'ai des petits remontées volcaniques. Oui j'ai dit beaucoup de merde aussi. Vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. D'accord. Je sais pas pourquoi. Sous-marin pour madame. Emballer, c'est pesé. Bon boulot, capitaine. On est en route. Gardez ce canal ouvert pour qu'on puisse repérer votre signal. Hey, capitaine. Vous avez volé le marteau d'Eva. C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande. Et le mieux, c'est qu'il y a un canon nucléaire à bord de cet engin. Un putain de canon nucléaire. Quelle intégrité ce gars, le capitaine du sous-marin. Il a préféré mourir plutôt que de lâcher son vaisseau. Il a emporté les clés de décryptage du canon dans sa tombe. Il marchera pas. Les obus normaux aussi, mais pas les ogives nucléaires. Pourquoi vous vous êtes sacrifié comme ça, capitaine? Ça ne nous aide pas. Avec ces clés, on aurait pu foncer jusqu'au boucher et anéantir sa base entière. En finir une bonne fois pour toutes. Bien, on n'a plus qu'à trouver ces clés. C'est bien le problème. Impossible de trouver les clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur. Bien évidemment, il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Bien, j'irai sur la Lune alors. Je connais pas. Caroline et Anya sont en train d'élaborer un plan au QG. Yendala, on est arrivé. Ce refrain quand j'étais jeune. Il y en a plein d'autres pour toutes les portes. Ah, il y a quelque chose qui bouge. Vous devriez vous écarter. Allez. Bon sang. Regarde ça. Et vous sentez la terre trembler. Cette entrée n'a pas servi depuis des siècles. Entrez donc. Égaliser la donne pendant la guerre. Mais tout est arrivé si vite et nous avons perdu nos gardiens les uns après les autres. Morts, exilés ou disparus sans laisser de traces. Mais certains ont réussi. Nous avions commencé à transmettre notre savoir au gouvernement luttant contre les nazis. Nous étions confiants jusqu'à ce que l'ennemi lâche des bombes atomiques. Tous nos espoirs sont partis en fumée. Je me souviens du temps passé quand la Dacier Rudd se rassemblait dans des endroits comme celui-ci, plein de vie et de merveilles, pour percer les secrets de la nature. Mais aujourd'hui, nous pourrions bien être les derniers à venir ici. Ah, nous y voilà. Voyons un peu. Attention. Blablabla. Allez-y, entrez. Répétez ça. C'est un sas de décompression, vers la grande salle. Est-ce que vous avez dit attention? Allez savoir, ces instructions datent un peu. Allons-y. On passe par là pour aller à la grande salle. Mais je ne reconnais pas ces symboles. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Place Comets! Qu'est-ce qu'on fait, capitaine?
C'est un endroit très impressionnant. Puissant. Pour la recherche magnétique, c'est... On a réussi. Oh, waouh! Hein? C'est réel? Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-haut, c'est la chambre secrète. Mais d'abord, nous devons activer le champ magnétique pour créer une entrée. Cette machine-là, elle sert à contrôler les champs magnétiques. Oui. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Monsieur Moskowitz, montrez-moi votre arme laser, s'il vous plaît. Là. Ce prisme de la Dacirod permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà, vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez? Tout là-haut. Je vais essayer de réparer cette machine. Mais comment c'est possible? C'est un endroit très vieux, parmi tant d'autres. La Dacirod a bâti ses cachettes avant que l'homme n'invente la boussole. Quand le but est clair, quand les gens se rassemblent pour... Je suis bien monté, Chacal, mais il faudrait que mon truc se recharge d'abord. Non, ça serait pas con, non? Ah ouais. Ah non! Ah, c'est un truc de bâtard! Qu'est-ce... Il me faut de la recharge, comment tu veux que je monte? Il est sérieux lui? Y'a pas un truc pour recharger là? Oh putain! Mais je vais où là? Ah ça par contre c'est chiant, si on peut pas... si on prend pas le couteau on peut pas monter? Ah il veut pas monter les gars! C'est un truc de fou! Ouah con. Moi j'espère au moins sera rechargé. Attendez, on va passer de là. Ah. On peut recharger. Ok. Bah du coup c'est easy money, j'avais pas vu ça. Il est un peu fatigué lui hein. Et maintenant on monte. Allons-y. Shimshot. Tais-toi, je vais me taper des droits d'auteur. Pas mal, c'est pas mal. Hey Yengle, dites-moi, Sertros n'est pas un génie? Messieurs, nous...
nous y sommes. Allez-y, Jekyll. Prenez tout ce qui pourra vous servir. On est repris dans la cachette secrète. Entre nous, c'est mieux. On n'est jamais ce que j'ai vu. Compris. Je suis suffisamment impressionné. Ok, j'ai un truc à faire là. Ok, donc j'ai promis de trouver le premier. Je sais pas ce que ça va faire, hein, mais bon. Alors, un. Ok. J'ai bien trouvé le qu'il faut là, en deux là, wesh. Ça va être un putain de casse-tête le bordel là. 2, 3. D'accord. Alors, 1 en face, 2. On va faire celui-là hein, au pif. Pas du tout mon rêve. C'est pas grave. Le niveau hors de question. Je vais découvrir un truc de dingue. On va faire des bisous aux aliens quoi. C'est le mec, le truc improbable, n'importe quoi. Ah, 1, 2, 3. Avec le cul que j'ai, ça va pas être le bon. Ah bah si. C'est passé quoi? OMG! C'est quoi ce truc? Bon, ben pourquoi pas, au moins j'aurais récupéré 3 médailles et une amélioration. Donc... on refait. Je vous ai vu ramasser une sorte de sphère. Elle devrait entrer parfaitement dans ce trou. Ça va, tu m'as pris pour espèce de narbalo. Hey, apportez cette sphère bizarre. Alors, premier, pour les gens qui veulent le faire après, premier. Ensuite, juste en face, le second. Je me rappelle déjà plus ce que c'est. Le second. Le troisième était là. Le quatrième était ici. Et le dernier était là-bas. Voilà. Répondez. Je vous reçois, Caroline. On a une piste pour les clés de décryptage du canon nucléaire. Anya, il s'agit d'un train de transport venant du front africain. À bord, il y a le scientifique en chef du programme de super soldats dernière génération du Boucher. Il doit aller sur la ligne ce soir pour superviser le lancement des nouveaux super soldats. On intercepte le train de transport de troupes. On localise le scientifique en chef. On vole son identité et on l'utilise pour mettre Blazkowicz à sa place dans la navette lunaire. Une fois à la base, il faudra trouver les clés de décryptage et les rapporter sur Terre. Et quand vous dites intercepter un train militaire à grande vitesse, vous pensez à quoi? L'idéal serait au pont de Gibraltar. Ouais, mais comment on arrête le train? C'est une idée? On peut utiliser ça. C'est extrêmement puissant. Voyons, dans notre langue, on peut appeler ça une... comment dire? Une métasphère. Hein? Il suffit de la jeter devant le train, elle suffira largement à l'arrêter. Excellent. Partez tout de suite, le train est déjà en route. Waouh. Et j'espère que vous n'êtes pas jaloux, capitaine, parce que je le garde pour moi. Donne-le plutôt à Caroline. Les nazis ont construit ce pont il y a 3 ans. Une ligne directe vers le front africain. Ils sont en train de ravager ce continent comme tous les autres. C'est le moment, préparez-vous. Le train ne devrait pas tarder à arriver au pont. C'est le moment, préparez-vous. Capitaine! Mais qu'est-ce que je viens de faire, putain? On a carrément démoli le pont! On a démoli.
réussi à stopper le train. Je m'apprête à lâcher le capitaine. Il va bientôt pouvoir passer à l'action. Bien reçu. Allez, continuez comme ça. Vous voyez ce wagon qui est suspendu au-dessus du vide, le numéro 6. Il porte le symbole du Lost Dog Nautica. Le scientifique en chef du bouquet doit être dedans. Attendez, je le dépose au lieu sûr. Vous aurez qu'à traverser le pont pour atteindre le wagon du Nautica. Allez-y, capitaine! Vous pouvez sauter! T'es sérieux, tu veux sauter là-bas? Ok, soldat. Bon boulot, capitaine. Je vais chercher un autre endroit où je pourrais vous déposer, plus près du wagon. Ça m'étonnerait que j'en trouve un. Trop de débris et de nazis. Continuez à pied pour l'instant. William, d'après le protocole, le scientifique en chef du boucher porte un uniforme entièrement blanc. Bien, Blazkowicz. Trouve un nazi qui porte un uniforme blanc et vole ses papiers d'identité. C'est ton billet pour la base lunaire. Il est dans l'un des wagons de ce train. Ok. Comment je me baisse déjà? Je veux... Moi ça déjà c'est ramassé. Donc j'ai fait un petit peu de TB, hein. Putain la boule c'était un truc de malade ce truc. C'était vraiment un truc de fou furieux. Lance roquette, ah ouais carrément. Donc j'imagine pour tirer normal, ok. Bien évidemment. Donc c'est parti, on va quand même monter au deuxième. Au cas où si on trouve d'autres trucs, hein. Putain je viens de trouver un lance roquette là. De toute façon, c'était la deuxième entrée. Ah oui, 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 ah oui. Amusons-nous alors. Trois. Au bout du troisième, il explose. Pas mal. Pas mal du tout. Merde, putain, excuse-moi, mec. T'es déjà mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, 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 faut que je le détruise, ok. Je voyais pas la cible rouge, en fait, désolé, hein. Je voyais pas du tout la cible rouge, du coup je me suis dit peut-être que c'est pas sur moi qui va tirer ce bordel, mais en fait si. Ok, ça se passe plutôt bien, hein, je trouve, pour commencer. Oh putain. Je voulais juste voir s'il y avait une petite entrée furtive, hein. Voilà, ça arrive, hein. Voilà, j'ai voulu faire le mec. Non, c'est juste que voilà, je cherchais un petit peu à... Je suis à l'affût des secrets, etc. Et du coup j'ai dérapé comme un con. Donc désolé, hein, du coup je suis obligé de tout refaire. Je suis désolé. C'est vrai que cette vidéo était... je vous l'ai dit dans chaque let's play que je fais, il y a toujours un épisode fail, un épisode où j'ai du mal avec le record. Et là pour le coup c'est les deux en un en fait. Donc espérons que... Que les soucis de record ce soir en j'ai un petit peu déjà c'est le... Déjà ça va beaucoup mieux j'ai l'impression hein. Attendez je vais recharger. Comparé à hier, c'est un truc de fou je comprends pas. Pourtant je vous assure que j'ai rien changé, j'ai rien fait du tout quoi. Je peux vous assurer que j'ai rien fait du tout, j'ai rien changé, j'ai pas changé les configurations, c'est juste que le PC voulait pas, hein. J'ai pas compris, ah merde. Donc il avait pas envie le cochon.
c'est plutôt par là qu'il fallait passer. Ouais, je savais qu'il fallait faire un petit truc, mais... J'ai peur, là, si je marche sur ce truc, ça s'ouvre encore une fois. Comme je suis un putain de poissard. Putain de poisson. N'importe quoi. Arrête de dire de la merde. Et voilà, c'est ça que putain on cherche. Je leur tire dessus ou pas? Voilà. Comme ça c'est fait. Je vais être obligé. Il est où? Il est tombé ou quoi? Ok. Ok, ok, ok. Du coup, ça sert à rien. Je croyais que j'allais faire une phase encore train-train. Mais non, pas du tout. Je veux pas non plus que ça dure 100 ans. Hein, qu'on soit d'accord. Ok. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui suivent l'aventure à mes côtés, YouTube bug énormément aussi. YouTube bug énormément. Du coup, les vidéos d'une heure, je préfère pas trop. Pas trop les faire. Pour la simple et bonne raison, voilà, que le traitement, c'est un truc de malade. Le traitement des vidéos, c'est un truc de fou. Ok, 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 ok. Calme-toi. Je suis désolé. Hein. Je peux fracas. Je pensais bien que si j'allais passer par là, il allait avoir des trucs. Donc, pour le fun. Ah putain, quoi. J'aimerais bien trouver une petite snipeuse là, non? Ça serait le bienvenu là. Ok. Heureusement que c'est pas réel tout ça parce que je... Heureusement que ce jeu n'est pas réaliste, hein, prendre autant de balles... c'est pas permis. On peut... Je peux monter là? Pas du tout. Ah. Bande de chacal. Allez, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait TB avec cette arme. Moi je pense que la grenade a fait son effet. Ok, ok, ok. Petit snipeuse, allez vas-y, on est vraiment dans une zone où il faut un sniper. Là. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un sniper de planqué quelque part, à moins est-ce que je l'ai raté. Ce qui peut être possible, hein. Plus que possible. Il y a pas un coquin qui se cache quelque part encore là? Donc on a combien là? 34 minutes, ça va en fait. Je suis loin des 1 heure là, moi ça y est, je croyais que j'étais... j'étais à je sais pas combien. Ah, qu'est-ce que c'est? Une petite trappe. Petite planquounette. Le wagon de London n'indique à l'intérieur le scientifique en chef. Où tu veux que je descende, Bobby? N'importe. Je comprends pas trop. Peut-être passer par en haut en fait. Par contre, voilà le truc relou sur le jeu, mais c'est vraiment un truc de malade. Hein, c'est que le mec il veut pas s'accrocher quoi. Voilà, vous montez n'importe où en fait, je sais pas s'il n'y a pas une échelle, il y a un petit rebord, le mec il veut pas. Il est pas content, il veut pas, il veut pas. Tu vas pas me refaire la cinématique là. Non, ça va. J'aimerais bien savoir par où je passe. S'il vous plaît, ah, par là.
y a des trucs à grignoter ou quoi ici? Donnez-moi à manger. Oh putain, j'ai une amélioration le truc là. Putain, le truc que j'ai fait de merde. Oh. Oh oui. Ça me plaît. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Enfant, pourquoi tu fais des trucs comme ça, mec? D'accord, j'allais dire, c'est pas le bon laser là, ouais, vous faites quoi? Donc, je crois que. On a trouvé le snipeuse. Yes. Je savais, hein, franchement, je me suis dit, c'est obligé. C'est obligé, s'ils mettent pas les snipers dans un endroit comme ça, c'est qu'ils ont rien compris, les mecs, tu vois, je te dis, je sais pas. C'est logique. Par contre, à force de descendre comme ça, je sais plus trop où je vais. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis sûr que j'ai raté plein de secrets ou plein de merde. Ok. Donc c'est mauvais signe. Mais attends. Attends mec, t'es vulnérable ou quoi? Quoi? Non! Si peu de balles! C'est quoi ça? D'accord. What? C'est quoi ce truc qui est ciblé? Ah mais du coup ça bouffe tout. Oh c'est un truc, c'est abusé. Je sais pas si vous avez compris le. On dirait ici tous les ennemis. Tiens, encore. C'est vraiment hallucinant ce. Cette petite amélioration en fait. Hein. Ah, en plus il y a le truc pour le recharger. Pas content, pas content du tout. Vas-y, on va recharger comme ça. Il est où? Oh, c'est un truc de fou. J'adore. Moi, tu vois pas ce que tu fais, hein, parce que genre le gros viseur, tu t'empêches de voir vraiment ce que tu fais. Mais c'est une dinguerie quoi. C'est ça, faites les malins, voilà, vous tirez là, vous êtes content. Genre, il meurt 3 par 3 quoi. What? Je crois que j'ai vu un truc énervé qui fonçait sur moi là. Effectivement. Éviter d'aller vers le missile, ça serait cool. Et on va se séparer de ça pour la simple et bonne raison que. Yes, un petit lapin, c'est cool ça. Moi aussi j'ai une roquette, bâtard. Mais du coup, je vois que dalle. Ah ouais, pas content du tout les mecs là. Non, si je prenais... Putain, j'ai plus de balles. Chier. Team shot. C'est un gros mastoc en plus, hein.
Oups. Tu as fait bon voyage ? Oh, lui, il va m'allumer. Lui, je le sens, il va m'allumer. Il me reste pas beaucoup de vie. C'est bon ? Ça dit quoi ? Je vois des morts partout, Johnny. LOL, 3 balles. Ok. Bon, vous mourrez là ou ça se passe comment? Puta! Die, bitch! Ok, ok, ok! Oh putain, rush! Oh, il m'a cagué! Oh, dans la précipitation, je fais de la merde, c'est énorme! J'ai usé 4 balles pour rien. 4 balles de roquettes pour rien. C'est un truc de fou. Combien? 42 minutes. Oh, ok. Oh, ils ont été résistants. J'avoue. C'était un poste coriace. Passé. Quoique. Attendez, on va faire surprise. Oh non! Oh là là! Oh, ça pique tellement là, ça picouille, ça picouille! J'ai jamais utilisé le truc à ricocher là, vous croyez que ça marche? Vous avez vu ce que j'ai dit juste à la fin, hein? Ouais, ça va, c'est easy money et tout, j'ai passé. Ah, ça me ferait trop chier si je meurs là. J'ai pas moins de chair, ça me ferait trop chier. Faut que je trouve moyen de. C'est un truc de malade. Il fallait que je trouve un moyen là, c'était pas possible. Vous avez vu les coquins, il y en a qui se mettaient là pour jeter des grenades. On va prendre ça. Merci monsieur. Merci. Le premier qui approche, le fusil. Ok, c'est pas fini en fait. Je t'ai vu, hein. Wow, wow, wow. J'ai pas envie de faire prendre un sandwich non plus. Oh, le gros connard. Wow, vous l'avez vu lui sur la gauche comme il est tombé? Balle. Jette-moi ça tout de suite. Ouh. C'est joué un poil de... Voilà, hein. Donne-moi de la vie. Oh. Ça fait du bien. Ok. Amélioration. Ça aurait été bien que tu la donnes un petit peu plus tôt en fait, l'amélioration d'un joueur, mais bon, c'est pas grave. Je t'apprécie quand même.
Ok, ça servait à rien. Capitaine! Oh, attendez! Ouais. J'ai trouvé un endroit plus près du wagon. Je vais vous déposer. Traversez le poste de contrôle et retrouvez-moi dehors sur la passerelle qui est située sous le pont. C'est où ton bordel là? Mais tu es pas un peu fatigué toi? Traverse ici. Passerelle qui se trouve sous le pont. Donc déjà, est-ce que je suis dans la bonne direction? Pas du tout. Peut-être qu'il fallait continuer par le haut en fait. Il y a des mecs qui me tirent dessus. Ah d'accord, si c'était le bar là. Ok. Il y a un bug ou quoi? Non, pas de bug. Mais lui bug, j'ai l'impression. Il tire pas. Bon, tant mieux, hein. Mais d'un coup, il s'énerve, il me tire dessus. Oui. Ah, je vous ai dit, c'est un truc de fou, cette arme. Arrête! Je savais pas que je pouvais faire des trous dans les trucs avec cette arme. Ah ça y est, j'ai trouvé comment faire pour Ah ouais, d'accord, ok. Donc il n'y aura pas de New Game Plus. Je pense pas. Parce qu'en fait je me posais une question. J'en parlais avec Ex. Au début il y a une sorte de secret où en fait je peux déverrouiller. Je savais même pas que je pouvais recharger avec ça. Tu peux déverrouiller en fait un truc où il y a une plaque comme ça. Mais en fait je disais à Ex que ces plaques tu les déverrouillais qu'avec la seconde arme que tu avais en milieu de jeu. Et du coup c'était pas possible en fait. Donc il devait sûrement y avoir une game plus. Mais en fait non, il suffisait de choisir de prendre cette arme sulfateuse. Mais il fallait le savoir quoi. Donc je sais que c'était un petit peu incompréhensible ce que je dis tout ça. Moi je me suis compris. Je saurai la prochaine fois quand je recommencerai le jeu que je pourrai passer par le secret pour faire le secret quoi. Je pense que ça doit être une médaille hein, mais bon. Toujours bon à prendre. J'entends un bruit chelou. Donc ça va être sûrement les. Wow! Et j'ai failli canner. Heureusement que j'ai pas foncé. Hein. Vous avez vu, j'étais là comme ça. Endurance 2, ok. Donc j'améliore des choses depuis tout à l'heure mais je ne regarde plus les atouts, c'est vrai que ça fait un petit moment. Donc avant de terminer je vais regarder quand même. Ah ouais quand même. Donc j'ai amélioré expert en combat 2 armes. Ah ouais. Pas mal, c'est pas mal du tout. Donc je suis plus allé dans l'attaque que dans le tactique ou de quoi que ce soit. Permet de renforcer votre armure. Vider un LKW entièrement chargé sans rater un seul tir. Waouh. D'accord. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Tu es un commandant avec une grenade. Oh merde, t'es sérieux? Oh d'accord. Si je l'avais su plus tôt, je l'aurais fait. Sachant que peut-être il y avait un commandant dans le coin ou quoi. Je pense qu'on va s'arrêter ici, nous, vu que je suis déjà à 50 minutes de vidéo. Et que je vais peut-être... Non, ça va, je suis à 100%, je vais pas faire la merde pour rien. Donc moi, je pense qu'on va s'arrêter ici, sous le pont. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce 8ème épisode, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est passé nickel, bien évidemment, je suis mort 800 fois, mais ça, on s'en fout, on est là pour regarder les vidéos, on est là pour prendre du plaisir. Toujours en compagnie du Paranouche. Donc moi je vous dis à bientôt, merci encore d'avoir regardé cet épisode. C'était Paramour, allez, peace.